C'est parti pour un retour en image sur la saison. Présentation des joueurs. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle salle. Voici quelques images de notre quotidien. Hello, place to go. Darling, hell no place to go.
Ce n'est pas qu'une belle salle, c'est aussi des stages pendant les vacances. Les jeunes sont allés découvrir de nouveaux horizons. N'est-ce pas, Stéphane ? L'élite régionale prend maintenant ses marques au Sable d'Olonne la dernière semaine de juillet. Le premier objectif est de ne pas laisser les jeunes sans entraînement durant tout l'été. Cette date et ce lieu sont parfaits pour réaliser cet objectif. Au programme du physique, footing de 15-20 minutes au réveil ou réveil musculaire sur la plage, comme vous le voyez. Ambiance vraiment sympa. Et des circuits training en début ou en milieu de séance et des abdos, pompes, traction pendant les exercices tout au long de l'entraînement de la semaine. À la Toussaint, les jeunes sont allés en Rhône-Alpes au pied du Mont Blanc à Sallanches. À cette période-là de l'année, le réveil n'est pas toujours facile. Un stage très intensif avec beaucoup de travail physique. Jean et Thomas. Stage pour les filles du pôle à Niort, structure associée du parcours d'excellence sportif féminin. Un stage très intéressant pour les filles. Claude Barre et son équipe à Niort sont très pointilleux sur des aspects techniques précis, ce qui a apporté un petit plus pour nos filles. Clara Auger du TT Joué aura pu travailler sur le placement du coude et l'action sur la balle à l'impact.
Léa Cellier, elle, travaillait le démarrage sur des balles de rebond. Quant à Nolwenn, au travers d'exercices très physiques, elle a pu caler sa technique en topspin du coup droit. Pour finir, les filles ont eu la chance pendant ce stage de rencontrer Emmanuel Lebesson, formé au club, qui est venu apporter un petit peu de son soutien et de sa bonne humeur. Après la Chine la saison passée, nous sommes envolés avant Noël en direction de la Roumanie à Bistrița. Objectif, s'entraîner dans des conditions différentes avec d'autres partenaires d'entraînement, mais aussi découvrir, échanger et partager. D'ailleurs, ils ont dû nous prendre pour des fous quand on leur a fait une séance avec de la musique techno. La tâche est terminée par une compétition. Personne n'est monté sur la plus haute marche, mais nous sommes repartis en France avec quelques médailles en poche et des souvenirs plein la tête. Et comme dirait Nico, very thanks. En plus de ces escapades, d'autres stages ont eu lieu au cours de la saison. Thomas, même après avoir suivi un entraînement personnalisé, a encore vraiment du mal à servir. Nolwenn a encore du mal à finir les points. Les jeunes ont appris un nouveau pas de danse. Après quelques répétitions, Jadot le maîtrise à merveille. Les jeunes ont appris à escalader. Et Brice, le prof de PS, a appris à connaître les jeunes. Connaissez l'exercice de la bassine? Nico, c'est son préféré, surtout en fin de séance. Cyril a des talents cachés de contentionniste. Il est toujours aussi difficile de prendre les filles en photo. Alors que les gars ont tout le temps envie de prendre l'appareil pour s'amuser avec.
Nicolas, s'il te plaît, pourquoi t'as acheté ce chapeau en Roumanie ? Ah, peut-être que c'est pour mieux dormir. Demande à Nicole, elle a une super technique.